vous avez le projet, ancien ou récent, d'enfin pouvoir vous offrir votre premier appartement. Ou alors, si la famille s'agrandit et que vous avez soudainement besoin de plus grand, c'est peut-être le moment d'acheter l'immobilier baisse, en particulier dans l'ancien. Bonsoir Margot Fodéré Bonsoir. Du service Économie d'Europe 1, c'est bien la première baisse significative depuis de nombreuses années. Effectivement, les chiffres de ce début d'année confirment bel et bien une accalmie. En un an, les prix de l'immobilier dans l'ancien ont diminué de près de 5% en France, aussi bien pour pour les appartements que pour les maisons. À Lyon, Anne-Monard Bretin constate que certains propriétaires acceptent désormais de diminuer les prix. Elle dirige une agence immobilière du réseau Guy Hockey dans le quartier de Croix-Rousse et elle s'attend à une hausse de 20% des ventes cette année. Aujourd'hui, on a plus de propriétaires à l'écoute. C'est-à-dire que quand on rend une estimation en disant votre appartement vaut entre 420 et 445 000 euros, on va le mettre en vente tout de suite à ce prix-là. Même s'ils disent Ah, moi, je pensais qu'il valait 500 000. Non. Et en fait, on va leur montrer d'autres biens en vente qui font la même taille, géolocalisés au même endroit et qui ne sont pas à ce prix-là. Mais attention, tous les propriétaires n'acceptent pas de baisser les prix. Bien souvent, il s'agit de, de Français contraints de se séparer rapidement de leurs biens quand la famille s'agrandit, dans le cas d'une mutation ou d'un divorce. Un mauvais DPE aussi Peut influencer à la baisse le prix d'un logement. À Montpellier, par exemple, un studio mal noté, c'est-à-dire F ou G, se vend en moyenne 11 moins cher qu'un autre studio. Merci Margot Fodéré du service économie d'Europe. Le DPE, c'est le, le comment dirais-je l'empreinte le, d'énergie. Hein, exactement. Ça. Si vous êtes bien G, ou mal isolé. parce que le voilà bah, bien ou mal isolé. F c'est une passoire thermique. Exactement. Merci Margot Fodéré du service économie d'Europe.